Depuis une dizaine d'années maintenant, la Fédération motorisée valaisanne assure la sécurité du Tour de Romandie. Aujourd'hui, c'est une journée de formation et d'entraînement. On va la passer avec eux. Là, c'est bon, les dessins, les profils, puis il faut 1,5. Avant de partir, l'état de chaque moto est vérifié. Merci. Ils sont en tout 150 motards divisés en 15 groupes et devront assurer la sécurité de 900 points de passage. Là, le cours théorique vient de commencer, je suis un petit peu à la bourre. Exclusivement à gauche, exclusivement à droite, ou des deux côtés. Les informations, c'est Philippe qui va vous les donner. Au point de vue organisationnel, c'est comme les années précédentes. Là, c'est l'heure du briefing avec le chef sécurité du Tour de Romandie. Allez, place à la pratique. Salut Marc. Bon bah, on y va. C'est un exercice à taille réelle sur le parcours Comté-Villard, via Sierre. C'est sympa. Jusqu'à maintenant, ça va. À toi, il lève le bras. Il y a la station BP qui doit être surveillée. Alors Véronique, le travail de chef de groupe, ça consiste en quoi ? On se met en colonne les uns derrière les autres et dès qu'on a un endroit à sécuriser, on arrête quelqu'un, on lui explique ce qu'il doit faire. Et une fois que la course a passé, il repart avec la moto et on part à la mission suivante. La journée se termine par une bonne petite raclette, rien à signaler, tout s'est bien passé, ils sont fin prêts pour ce tour de Romandie. Et quant à moi, je me demande si je vais peut-être pas faire mon permis moto. Enfin bref, c'est une autre histoire. Allez, à la prochaine, ciao.